Ça s'est récupéré. Kazarin avec Silfer, le shoot de Silfer. Contré par la défense des Scorpions, Silfer toujours. Qui arrive à déborder là, qui va contourner. Et le premier but. Le premier but. Marqué, il me semble, bien Fabien Kazarin. Tout à fait, Gaël, on écarte le danger, on en profite pour effectuer les changements. Exactement, et griller quelques secondes sur cette infériorité montagnarde. Et ça va être récupéré, attention avec Marinetto devant Moron. Oh, le but de Moron en infériorité, ça tape la transversale et ça rentre dans le... C'est plutôt Arjula et Silfer en assistance. Oh, quel tir. Quel tir Moron. Convert qui fait le tour de la cage. Et ouais, le palais qui est perdu. Hein. Allez, Pistilli tout seul devant la cage de Savol. Ouais, Pistilli qui va prendre le tir et la réduction du score de Pistilli qui a fusillé Richard Savol. Comme le deuxième au début, ou à peu près en 4-5 minutes, les Scorpions qui arrivent à mettre une rondelle au fond. Oh, un deuxième qui passera à côté. C'était bien vu. Allez, ça va repartir pour les Alsaciens. Avec Labelle. Ouais, Labelle. Oh, et la réduction du score des Zipov avec une belle passe de Labelle. Et voilà. De Mulhouse en cette entame de troisième tiers. Et Zipov hein, pour le 4-3. Attention, ça va devenir chaud. Et à nouveau. Allez, des biens tout seul. Bon, attention, là c'est chaud devant la cage. Ça va être récupéré par Abim Marinetto. Allez, qui patine comme un fou pour récupérer cette rondelle. Marinetto, on va pas lui faire deux fois. Et cette fois-ci, c'est fait. Puis Marinetto qui la met. Et cette fois-ci, l'arbitre ne pourra pas lui dire qu'il y a eu. Bon, sans doute, ce dernier engagement. Engagement gagné par les Scorpions. On est au fond.